on remet le bouchon, on pose ça là pour l'instant, on vient ouvrir un classeur, voilà, on vient faire des petits cercles comme ceci, on referme délicatement et on recommence. On prend un petit cure-dent, on vient venir tracer un trait sur le milieu, ça va nous aider pour la suite de la recette. Même chose pour celui-ci. Et on met ça au frais. Voilà, parfait. On met la petite pochette sur l'écran, on se met à l'aise pour pouvoir dessiner la silhouette de la femme avec une petite poche en chocolat. Il faut être très minutieux pour bien faire les contours. Le dessin est fait, on enlève le plastique. On vient mettre ça au frais. On vient faire fondre le chocolat dans la crème, comme ceci. Notre ganache est faite, on va verser et on vient mettre ça au frais. On revient avec notre crème, on prend un petit batteur à main, on monte la crème tout simplement. La crème est bien montée, on prend nos petits verres expresso, notre film plastique, on appuie un petit peu dans chaque verre. Voilà, notre film est bien mis. On vient mettre notre petite ganache montée dans chaque verre, on appuie un petit peu avec la cuillère. Voilà, parfait, on en met bien partout. Magnifique. On vient prendre notre crème glacée artisanale de chez Chef Club. Elle est extra onctueuse et parfaite pour notre recette. Comme vous pouvez le voir, elle a une superbe texture. C'est onctueux. On a des vrais morceaux de noix de coco. Voilà, évidemment, vous pouvez retrouver nos pots de glace chez Géant Casino. Bah, courez les acheter, tout simplement. On recouvre de crème. Même chose pour les autres. On va les mettre au congélateur. On va les démouler un par un. On retire le papier et on pose ça délicatement dans une assiette. Magnifique. Même chose avec les autres. On vient récupérer nos petits cercles qu'on avait coupés en deux, souvenez-vous. On vient les placer comme ceci, de part et d'autre de notre gâteau. Et on fait ça jusqu'à remplir intégralement le gâteau. On vient placer la touche finale. Thank you.
Donc, je vais remplir deux petits bols d'eau. Je vais mettre une petite cuillère à l'intérieur et je vais les mettre au congèle. La plaque revient du congélateur. On va pouvoir étaler le chocolat dessus. Je l'étale finement et on va le laisser figer un peu. Je vais enlever les bordures. Maintenant, je vais faire des copeaux de chocolat et de gauche à droite qui me forment un peu ondulé. Petit motif en zigzag. Pose ma dernière et on peut aller au frais. Les bols reviennent du congélateur. On va les passer sous l'eau pour les démouler. Maintenant, on va passer à nos coques de chocolat. Donc je trempe le bol, je les goûte et là on le laisse figer. Là, après une petite minute, hop, on va pouvoir les démouler. Et maintenant, je vais monter de la crème pour notre mousse. Donc là, notre crème est mousseuse, donc c'est parfait. Là, je vais venir verser du lait chaud sur notre chocolat fondu. Je vais venir mélanger après. Elle est bien mélangée. Maintenant, je vais incorporer la crème pour réaliser une mousse au chocolat. Donc là, la crème est incorporée. On passe au remplissage de nos bols. Et là, on va pouvoir mettre une assiette au frais. Là, j'ai versé du sucre dans ma casserole, faire un caramel. On va laisser fondre le sucre et rajouter petit à petit dans la casserole. Notre caramel est fondu. J'ai incorporé la crème dans le caramel petit à petit. J'ai fait chauffer la crème pour pas que le caramel cristallise. Je vais mettre mon restant de crème afin de réaliser un glaçage caramel. Donc là, le glaçage est prêt, on va le débarrasser et le laisser reposer à température ambiante le temps que la mousse soit complètement figée. Donc là, notre mousse a prise, donc on va pouvoir mettre l'insert de caramel. Je vais prendre une demi-sphère que je vais poser sur une assiette chaude que j'avais placée au micro-ondes pendant 10 secondes, histoire de pouvoir sceller les deux parties. On passe à la suivante. Et là, on repart au frais, ça puise bien. Donc là, nos sphères sont revenues du frais. On va les mettre sur notre grille et on va verser par-dessus le glaçage caramel. Je vais renverser tout autour, enrobe toute la boule. Et là, on va venir poser les sphères dans l'assiette. Et là, je vais remettre la décoration aux extrémités. Et voici nos bonbons chocolat caramel.